Bonjour, je m'appelle Sarah, je suis comédienne et en ce moment je joue au théâtre de Feu de la Lampe dans Viens dans mon slip, on est déjà quatre. Attends, chat. Tu savais, toi, que le prince charmant, il se trouvait au rayon charcuterie. J'hésitais en fait entre un bon roast beef et ce délicieux poulet. Et là, je sens le regard d'un mec sur moi, tu vois. Mmh. Et tu me connais, incapable de lever les yeux, j'étais rouge pivoine. Le mec, il était tellement troublé qu'il a même pas osé me demander mon numéro, tu vois. Tu peux me laisser parler? Excuse-moi, mais tu fais tout pour pas ressembler à ta mère, mais tu fais pas mieux, hein. Attends, déjà, je vois pas le rapport. Et ensuite, tu me compares pas à ma mère, là, je... Ça fait combien de temps que t'as pas baisé Clotilde? Étape 1. Allô maman? S'aider soi-même avant de vouloir aider les autres. C'est Clotilde. Aujourd'hui, j'ai décidé de mourir. C'est ridicule. C'est la première vraie décision que je prends dans ma vie pour y être un peu plus... Je sais pas. Mais t'es con. Hé hey. Hé hey. T'as du feu? Je te fais marrer? Bonjour, vous êtes... Entrez. Tout seul. Vous avez volé quelque chose? Posé quelque chose, genre micro, caméra? Vous vous attendiez à ça? Je suis souvent crédule. J'adore tout ce qui peut m'étonner. Je joue souvent les naïfs pour faire plaisir, pour qu'on continue de me surprendre. Tout, sauf conne. Si vous avez pu entrer sans voir débarquer la moitié des commissariats de Paris, c'est que vous n'êtes pas étranger au système de sécurité sophistiqué. Et le mien, je vous jure que c'est pas une plaisanterie. Vous saviez parfaitement où vous alliez, donc qui je suis, donc qui êtes-vous? Quand j'étais petite, je croyais que mon frère jumeau était le fils d'Alain Delon. Puis un jour, on est dans le canapé avec mon frère. Ma mère était très fan d'Alain Delon. Je tourne la tête et il y avait justement un magazine avec le portrait d'Alain Delon. Et là, je regarde le portrait. Je regarde mon frère. Et là, je me dis, on a adopté le fils d'Alain Delon. L'angoisse. Je me dis, on va venir récupérer mon frère, je le verrai plus jamais. Si un jour Alain Delon se rend compte qu'on a adopté son fils. Donc j'ai écrit une lettre à Alain Delon. Cher Alain, on a votre fils, vous ne le récupérerez jamais. Pardon, excusez-moi. Pardon de vous déranger, c'est juste que j'ai oublié mon bonnet. Pardon, ça a raté dans le champ. Pardon, excusez-moi. Bonjour, je m'appelle Alex. Non, c'est bête, c'est que je l'avais sur la tête en fait, mon bonnet. Oh, ma feuille avec mon numéro de téléphone dessus. Bon, ben, je vais pas vous entendre. Au revoir. Bonne journée. Mais attends-moi.